2019.
À présent, chers frères et sœurs, levons-nous, chantons et dansons dans la joie pendant que nous accueillons la Sainte Croix, signe de notre rachat. Thank you.
Excellence, la paroisse est à la fois territoriale et personnelle. Elle couvre tous les territoires de l'Université de Kinshasa et fait partie du doyenné Saint-Mawagani. Au-delà de son statut de paroisse personnelle, tous les professeurs et étudiants de l'Université de Kinshasa Inikin et de l'Institut supérieur des techniques médicales Istel, où qu'ils se trouvent, peuvent faire appel au ministère pastoral de cette paroisse. Elle concerne donc environ 45 000 personnes. 35 000 étudiants, dont plus de 8 000 sont logés dans les résidences étudiantines. Et autour de 10 000 personnes, constituées des professeurs, des administratifs et autres résidents, des épouses et des enfants, dont environ 6 000 personnes résident sur le territoire même de la paroisse. Excellence, la paroisse est divisée en 17 communautés ecclésiales vivantes de base, dont 7 sont composées exclusivement des étudiants et étudiantes habitant les halls universitaires. L'organisation pastorale comporte une équipe pastorale de 3 prêtres et une assistante paroissiale. Les conseils paroissiales et pastorales, les conseils pour les affaires économiques, les commissions paroissiales des CVV, liturgie, catéchèse, mabota, de jeunes et quelques mouvements et groupes de vie emblématiques comme le mouvement des professeurs catholiques, les mamans catholiques, le mouvement international des étudiants catholiques, MIEC, la Légion des Maris étudiants, les délégués à Mouinda étudiants, le renouveau dans l'esprit étudiant, école de charité des missions, pour ne citer que cela. Excellence, l'église dans laquelle vous allez présider la célébration eucharistique pour vos diocèses de notre paroisse est en forme de poisson, renouant ainsi avec la tradition de l'église primitive où l'ictus symbolisait les sauveurs du monde. Quiconque découvre l'église universitaire est d'abord frappé par sa façade incurvée. À l'intérieur, les murs du pourtour sont en fines colonnes et clostras, et en parois pleines, percées de petites fenêtres cruciformes. Ces murs donnent à l'extérieur une impression de majesté, et au-dedans, une excellente luminosité, tout en tamisant les soleils équatoriaux parfois excessifs. Le toit, lui, il est plat et penche légèrement vers la sacristie qui forme la nageoire caudale, ce qui renforce l'ampleur de la façade. Bref, une belle et majestueuse église digne de la colline inspirée et inspirante. Aujourd'hui, c'est bel et bien dans cette remarquable église que vous allez présider l'Eucharistie où alternent prières chantées et dansées. J'en suis sûr, les seigneurs et vous-même, Excellence Monseigneur l'Archevêque, devez vous sentir bien et heureux, soit bien heureux en ces lieux privilégiés, magnifiques, parmi vos diocésains. Et tiré de carrière de Saint-Rémy, dans
dans l'enceinte de l'abbaye des Rochefort, pays natal de Monseigneur Luc Gillon, recteur et bâtisseur de cette université. Archevêque, bienvenue chez nous et chez vous. Excellente célébration, Jésus.
Liturgie de la parole. Première lecture. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Tel est le message de ce passage du livre de Jérémie. Suivons avec attention. Lecture du livre de Jérémie. Au chapitre 17, du verset 5 à 8. Parole du Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur des lèvres de chien, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure le désert du désordre, une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Deux routes, celle des justes, chemin vers le bonheur, et celle des méchants, chemin de perdition. Dans les béatitudes, Jésus précisera ce choix que Dieu attend de nous. Heureux est l'homme qui n'entre pas dans les vues des méchants, qui ne suivent pas le chemin des pécheurs, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. En Dieu notre espérance, en Dieu notre joie. Oh, Lord.
Dieu. Le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. D'une oreille attentive, écoutons ce message tiré de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Au chapitre 15, le verset 12, puis du verset 16 à 20. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car, si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous n'êtes pas libérés de vos péchés. Et oui, ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus. Et si nous avons mis notre foi, notre esprit, et si nous avons mis notre espoir dans le Christ, pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Pour être parmi les morts, le premier ressuscité. Parole du Seigneur. Jésus descendit de la montagne avec les douze apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral, des Tyres et des Sidon. Regardant alors ses disciples, Jésus dit, heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est en vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent,
quand ils insultent et rejettent votre nom comme détestable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur père traitait le prophète. Mais malheureux, vous les riches, vous avez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes revenus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi que leur père traitait le faux prophète. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, mes chers diocésains et diocésaines, ce dimanche, à titre particulier, est pour nous un jour de grande joie. D'abord, parce que c'est le jour du Seigneur, le jour de sa résurrection. Ensuite, c'est l'occasion de la rencontre entre le pasteur et ses fidèles pour la première fois dans votre paroisse. Il est important que le pasteur connaisse ce brebis et que ce brebis le connaisse. Et finalement, au cours de cette célébration eucharistique, je conférerai le sacrement de la confirmation à quelques-uns de nos frères et sœurs. Tout en saluant le précieux et exigeant travail de préparation accompli par tous, je tiens d'abord à féliciter les confirmants pour leur fidélité, pour la solidité et la constance de leur foi. Dans le baptême, et nous avons tous été baptisés, Dieu nous a accordé la grâce de la filiation divine. De par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. De par le baptême, nous avons été incorporés dans l'Église du Christ. Nous sommes devenus membres de l'Église de par le baptême. Par la confirmation et sur le sacrement que nous allons administrer aujourd'hui, le même Esprit Saint nous donne une force spéciale. Une force spéciale pour vivre les implications de nombre baptême. Le sacrement de la confirmation apporte donc croissance et approfondissement de la grâce baptismale. La confirmation nous unit plus fermement au Christ. Elle augmente en nous les dons de l'Esprit Saint. Elle nous accorde une force spéciale de l'Esprit Saint pour répandre et défendre la foi par la parole et par l'action
en vrai témoin du Christ. Pour professer vaillamment le nom du Christ et pour ne jamais éprouver de la honte à l'égard de la foi du Christ. Comme le dit saint Paul, ma fierté, c'est la foi du Christ. Comme le baptême, dont elle est l'achèvement, le sacrement de confirmation est donné une seule fois. On ne reçoit pas ce sacrement deux fois. La confirmation imprime, en effet, dans l'âme, une marque spirituelle indélébile. Marque un caractère qui est le signe de ce que Jésus-Christ a marqué un chrétien du sceau de son esprit en le revêtant de la force d'en haut pour qu'il soit son témoin. Ce caractère indélébile est symbolisé par l'onction du Saint-Crème que l'évêque appliquera sur ton front. C'est une marque que tu resteras jusqu'au retour du Christ et c'est la marque qui fera la différence entre toi et les autres au jour du jugement. Avec le sacrement de la confirmation, commence la phase de la maturité spirituelle. Le baptisé devient, par la confirmation, un adulte dans la foi. Car l'Esprit Saint renforce notre lien pour notre communion avec Dieu. La première lecture du prophète Jérémie nous donne le profil d'une personne qui a reçu le sacrement de la confirmation. C'est celui ou celle qui met sa confiance dans le Seigneur. Et cela, quelles que soient les circonstances, que ce soit dans les épreuves, échec, joie, bonheur, maladie, déception, etc. L'homme ou la femme qui a été confirmée et qui est prête à en assumer les implications se distingue par sa confiance inébranlable dans le Seigneur. Le chrétien confirmé, c'est celui qui parle comme saint Paul lorsqu'il dit « Je sais en qui j'ai mis ma foi, je sais en qui j'ai mis ma confiance et je suis persuadé qu'il est capable de me garder jusqu'au grand jour. » 2 Timothée 1, 12. Il est important, en recevant le sacrement de confirmation, qui est l'achèvement du sacrement de baptême, de savoir dans ma vie, dans toute ma vie et dans toutes les circonstances de ma vie, en qui j'ai mis ma confiance. Ce qui implique une cohérence dans cette journée à faire, ce n'est pas dans le moment le plus angoissant, le plus difficile, que j'irai chercher ma protection ailleurs, loin du Christ, comme nous le voyons aujourd'hui dans notre société. Ce n'est pas en allant chercher la sécurité ailleurs que je vivrai mieux. Ma confiance, seul Seigneur.
Ma sécurité, c'est le Seigneur. Et je sais qu'il a la capacité de réaliser ce en quoi je crois. Le même Saint Paul, dans la deuxième lecture tirée de sa première lettre aux Corinthiens, montre que la maturité dans la foi consiste aussi à confesser, à enseigner et à célébrer le mystère de la résurrection comme une réalité fondamentale de la foi. Et l'élément clé qui constitue l'ossature de notre foi, c'est la croyance, la foi en la résurrection du Christ. Si je ne crois pas que le Christ est ressuscité, ma foi est vaine. Ma foi n'a aucun sens. Or Jésus, avant la résurrection, est passé par la croix. Si tu veux demain accéder à la résurrection promise par Jésus, à tous ceux qui confessent son nom, tu dois aussi intégrer dans ta vie de tous les jours la dimension croix. Et cela est fondamental, surtout pour les étudiants. Étudiants, étudiantes, tu ne réussiras jamais dans ta vie en passant des examens responsables si tu n'acceptes pas dès aujourd'hui à porter ta croix. Un étudiant, une étudiante, par définition, c'est une personne qui souffre. Et nous avons à vivre cette souffrance, non pas comme quelque chose d'imposé de l'extérieur, comme une fatalité, mais comme la condition nécessaire pour mon avenir, comme condition nécessaire pour mon salut de demain. Le salut apporté par Jésus-Christ n'est pas le salut qu'on raconte, qu'on diffuse dans certaines confessions religieuses. Le salut apporté par Jésus-Christ, ce n'est pas un salut à la portée de la main qu'on peut se lever le matin et dire « Voilà le salut qui est à ta porte. » Tu peux faire comme ça et l'obtenir. Le salut apporté par Jésus-Christ passe nécessairement par la croix. Ça signifie qu'il faut souffrir pour être bien demain. Si tu n'intègres pas cette dimension dans ta vie d'aujourd'hui, c'est toute ta vie de demain qui s'en trouvera conditionnée. Ce qui est dit des étudiants, des étudiantes, l'est aussi pour les autres qui sont déjà dans la vie professionnelle, la vie matrimoniale, familiale, etc. Nous ne ferons rien de bon dans notre vie si nous n'acceptons pas d'intégrer cette dimension croix à notre vie de tous. Dans l'évangile que nous verrons dans le temps de Saint-Luc, Saint-Luc lui-même insiste sur l'aujourd'hui de l'Évangile. L'accomplissement de l'Évangile, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas une réalité à reporter dans un futur incertain. L'Évangile a commencé aujourd'hui. Le déjà-là et le pas encore de l'Évangile. Saint-Luc fait un double emploi de l'adverbe maintenant et il insiste sur la notion de maintenant, l'aujourd'hui de l'Évangile.
Heureux vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, parce que vous serez, vous rirez demain. Cette répétition par Jésus-Christ lui-même a valeur d'insistance. Le Seigneur insiste que ce qu'il annonce adviendra effectivement, réellement, ici et maintenant, pas demain. Mais avec l'aide de ses disciples, dont tous nous constituons la communauté. L'aujourd'hui de l'Évangile s'accomplit parce que nous, les disciples de Jésus-Christ, nous avons accepté de nous impliquer, de nous engager pour que les promesses de Jésus prennent forme, prennent un visage reconnaissable ici et maintenant. C'est pourquoi Jésus propose à ses disciples un style de vie qui participe à l'inauguration du règne de Dieu, l'inauguration du royaume de Dieu. Il convie ses disciples à travailler à l'avènement d'un temps nouveau, un temps de paix, un temps de concorde fraternelle, un temps de convivialité, un temps de paix pour tout le monde. Vivre les béatitudes selon Saint-Luc devient synonyme de s'engager pour l'amélioration effective et concrète des situations de l'homme d'aujourd'hui et de maintenant. Surtout, des plus indigents et de plus démunis, sans distinction des catégories. Vivre les béatitudes, c'est espérer contre toute espérance. C'est garder la foi dans le moment le plus difficile de la vie et même devant les sollicitudes qui viennent d'autres frères et sœurs qui nous font miroiter un autre salut, un autre bonheur qui n'a rien à voir avec le salut promis par Jésus-Christ. C'est rester confiant envers le Seigneur qui, le premier, a affronté l'angoisse et l'humiliation dans la perspective de la résurrection. Les béatitudes nous découvrent l'engagement concret du Christ pour libérer l'homme de toute entrave physique et spirituelle. C'est à ce même engagement pour l'avènement d'un monde nouveau que Jésus invite ses disciples. Ainsi, le sacrement de la confirmation devient une mission. Celui ou celle qui reçoit le sacrement de confirmation accepte devant Dieu d'être son missionnaire. Son apôtre. Celui ou celle qui a accepté non seulement de garder le dépôt de la foi pour lui-même, mais qui est aussi disposé à aller vers les autres frères et sœurs pour partager ce dépôt de foi qu'il considère comme une valeur fondamentale. Le pape François lui-même l'a rappelé. Personne ne reçoit la confirmation rien que pour soi-même, mais bien pour œuvrer à la croissance spirituelle des autres.
Celui qui reçoit ce sacrement doit devenir attentif aux besoins de l'Église et aux attentes du monde. Il ne vit plus pour lui-même. À l'instar du Christ, il vit pour les autres et ses dons, sans compter pour leur épanouissement intégral. Son engagement dans l'Église se veut être un apostolat considérable pour faire revenir Dieu dans le cœur des hommes et des femmes, mais aussi dans la société. Une dimension fondamentale pour le sacrement de la confirmation. Tout ce que je reçois aujourd'hui comme dépôt de foi, comme don de l'Esprit-Saint, c'est pour aller vers les autres, leur enseigner le nom de Jésus-Christ, afin que le monde promis par Jésus-Christ, ce monde nouveau, ce monde de concorde, de fraternité, puisse s'accomplir, se réaliser ici et maintenant. Voilà pourquoi je vous exhorte, frères et sœurs, vous tous qui avez déjà été confirmés et vous qui le serez bientôt, de vous engager à collaborer pour l'avènement du règne de Dieu dans notre monde, dans notre pays, ici et maintenant. C'est pourquoi, dans la cérémonie de confirmation, l'évêque, en posant le signe de croix sur le front du confirmant, donne une petite étape sur le front. Et des fois, on se pose des questions, mais pourquoi? Pourquoi cette petite étape? Ce n'est pas une étape sérieuse, ce n'est pas avec méchanceté, mais ça a une signification fondamentale pour nous, les chrétiens. En fait, au début de l'Église, les choses ne se passaient pas comme ça. Nous savons qu'au début de l'Église, recevoir la confirmation était une lourde responsabilité dans un contexte de persécution. Être chrétien n'était pas une mince affaire, parce que les chrétiens constituaient une petite minorité dans un monde, au milieu d'un monde païen. Et nous connaissons l'histoire des empereurs romains qui étaient à l'affût des chrétiens pour les exterminer de la société. Les chrétiens étaient toujours obligés de se cacher. Ils se réunissaient dans des maisons pour que les autres ne sachent pas qu'ils sont là. Ainsi, lorsque quelqu'un terminait les étapes de la formation et avait accès au baptême, il était baptisé, on l'amenait auprès de l'évêque. Et c'est l'évêque qui devait éprouver sa foi pour voir s'il était devenu réellement adulte, solide dans la foi, pour être capable de faire face le jour où les soldats de l'empereur vont l'arrêter, s'il ne va pas renoncer sa foi. Effectivement, au début de la foi, l'évêque prenait un coup sérieux, c'était un plomb au baptisé. Et l'évêque regardait. Si tu pleures, ça signifie que tu n'es pas encore un adulte. Et encore moins, si tu tombes, c'est clair que tu es encore un enfant. Qu'est-ce qu'on faisait de toi? On te retournait au catéchumène. Ça signifie que tu n'es pas encore devenu un adulte. Mais quand l'évêque te donne un coup,
Tu résistes comme un adulte, parce qu'un adulte, par définition, ne pleure pas. Comme un enfant, ça signifie que tu es déjà un adulte. Aujourd'hui, le coup n'est plus un grand coup comme au début de l'Église, mais la symbolique, le symbole, est resté. L'évêque qui te donne cette petite étape veut tout simplement dire, avec le sacrement de confirmation, tu es devenu un adulte. Et un adulte, à la manière des soldats, le véritable soldat du Christ, des gens qui sont prêts à s'impliquer pour l'extension du royaume de Dieu, pour la cause de l'Évangile. Et il se tient prêt pour assumer les responsabilités dans l'Église, dans la société, conformément aux vœux du Seigneur lui-même. Et en tant que soldat, son travail, c'est de veiller afin que l'Église de Jésus-Christ ne soit pas affaiblie par l'œuvre de Satan. Il est comme le veilleur. Il veille sur l'Église, il veille sur la société, il veille sur les dépôts de la foi. Tout ça, c'est symbolisé par la petite étape que l'évêque va vous donner. Et quand il vous donne, quel que soit votre âge, considérez-vous comme un vaillant soldat du Christ. Et tant que moi je serai là, moi le soldat du Christ, je serai là, personne ne pourra mettre en échec l'Église du Christ, l'Église de Jésus-Christ. Puisse la Vierge Marie, Mère de tous les croyants, prier pour votre témoignage dans l'Église et dans le monde. Amen. Je vous présente le germe de la paroisse Notre-Dame de la Sagesse qui ont complété leur formation à l'initiation chrétienne. Ils ont approfondi leur connaissance de Jésus-Christ en apprenant les vérités de notre foi. Je vous demande, Excellence, de leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent en plénitude de l'Esprit Saint. Depuis le jour de votre baptême, vos parents, vos parrains et marraines, vos catéchètes et bien d'autres encore lui ont permis de se développer. Ils vous ont aidé. Et continueront encore à vous aider à mieux savoir en qui faire confiance, à qui croire. Aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi devant tous ceux qui sont ici. Je vous demande donc de me répondre, si vous avez la foi. Et vous allez répondre, chacun pour son compte. Oui, je crois. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et au péché? Oui, je crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. L'Esprit Saint,
que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et que vous est donné aujourd'hui. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, je crois. Frères et sœurs, veuillez nous lever pour la profession de notre foi. Dans l'Esprit, nous chantons et nous proclamons notre foi. Guide-le en nous comme une lumière
Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la volonté de Christ. Homme puissant, donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Adoration par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Joseph, sois marqué de l'Esprit Saint de l'homme de Dieu.
En
ensemble, prions le Seigneur. Avancez,
Thank you.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Oh, no.
fait que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Le Christ, notre Seigneur. Amen. Un mot qui nous est réservé. Thank you.
côté de vache.
Ça a été un moment de réconfort inimaginable pour ces gens, surtout pour la communauté Banoumou, qui est la communauté minoritaire. Le vendredi, j'ai célébré une messe et c'était la première fois ceux qui étaient encore dans la forêt, quand ils ont appris mon arrivée, sont venus, sont sortis. Et ça a été un moment de réconfort spirituel et moral pour le peuple de Yubi, vendredi matin. Après la grande célébration, j'ai repris le canot avec l'équipe du colonel qui était là, avec des militaires qui ont pris aussi leur canot. Nous avons traversé le fleuve pour aller voir la grande communauté des déplacés qui sont au Congo-Brazzaville, à Makoti-Mpoko, la paroisse de Makoti-Mpoko. Et je dois dire, j'ai été édifié par l'accueil des autorités du Congo-Brazza quand ils ont appris mon arrivée et l'accueil de la paroisse de Makoti-Mpoko avec les curés et tous les fidèles qui sont venus pour m'attendre à la rivière. Évidemment, la cité, c'est sur la rivière. Et vous pouvez imaginer la joie de nos frères et sœurs, les mamans, les enfants qui sont là et on les compte autour des 16 000 qui sont là. J'ai terminé la visite là-bas vers 15 heures. Nous avons repris la route de retour sur Yumbi parce que ma Tegumpoko est encore plus bas par rapport à Yumbi. C'est pratiquement en face de Bologo. Et qui dit Bologo, tu descends un peu, tu as pas nous. C'est déjà une chasse. Nous avons dû retourner à Yumbi et à 16h30, j'ai quitté Yumbi pour rentrer sur Bologo, sur Mukolela. Hier, à 5h du matin, j'ai quitté Mukolela en canot rapide pour arriver à Mbandaka avant l'arrivée de l'avion. Et l'avion est arrivé à 10h, nous sommes arrivés à 9h. J'ai pris l'avion pour rentrer. C'est dire combien la rencontre d'aujourd'hui dans votre paroisse me tenait tant à cœur. Je suis venu, j'ai vu et j'ai cru. Merci à toute la communauté paroissiale pour votre foi, parce que c'est que je vis aujourd'hui solide. Les œuvres de la foi. Et quand la foi porte de vous, merci beaucoup. Je continuerai à prier pour vous pour que le Seigneur puisse augmenter toujours votre foi. Amen. Merci à la curée, la visite en train de rendre dans cette paroisse universitaire. Paroisse universitaire qui n'est pas une paroisse quelconque. C'est un haut lieu de savoir, d'éducation d'un être humain global. L'importance de cette paroisse pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de notre archidiocèse. Merci pour les différents cadeaux que vous avez bien voulu apporter à l'archevêque. Beaucoup de cadeaux que j'ai vus. Et ce que je n'ai pas vu, mais j'ai entendu même une vache. Donc l'archevêque ne risque pas de mourir de faim dans votre paroisse. À être de véritables chrétiens, comme nous avons entendu aujourd'hui, de véritables soldats, des militaires, des gens qui veillent sur la voie du Christ. Ce n'est pas le témoignage, notre témoignage pour la société. Toutes mes félicitations aux nouveaux confirmés qui ont reçu aujourd'hui
et le don de l'Esprit Saint, qui est une grâce spéciale. En plus de l'Esprit Saint reçu le jour du baptême, à la confirmation, comme le mot le dit, qui est confirmé dans ta foi. Tu avais déjà la foi, mais la foi est aujourd'hui confirmée. Nous attendons que cette foi confirmée puisse porter des fruits de bonne odeur pour Dieu et pour la communauté. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche et bonne fête. Merci. Il a fait de vous ses enfants qu'il vous garde fidèles à son amour. Le feu de son amour, qu'il vous rassemble en un seul corps et vous conduise à la joie du royaume de Dieu. Amen. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et